Nous sommes quand aujourd'hui là? Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour la TKC. TKC, oye! TKC, oye! Aïe, je suis malade. Oh yo. Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. C'est comment non? Vous allez bien? Vous portez bien. Ouais. Bonjour tout le monde, ça va? Je suis fatigué. Je suis trop fatigué en fait. Mes gens. Vous allez bien? Bon. Nous sommes le 2 avril. Hier, nous étions le 1er avril. Alors, ça va vite, hein? Ça va trop vite. Ça passe trop, trop vite. Ouais. Aïe. Ça va tellement vite. Le temps passe vite. C'est comment, mes gens? Ça t'est cassé. Ça allait bien. Ouais. Mon téléphone va exploser. T'es obligé de faire le petit direct si vraiment parce que. Hey, maman. Papa. Mon téléphone va exploser. On peut appeler quelqu'un comme ça. Fait que m'appeler maman Pépé Yako, maman Pépé Yako, maman Pépé Asia, maman Pépé, ouais, bon rétablissement, maman Pépé Asia ya, maman Pépé, c'est comment? C'est comment alors mes amours? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'ai fait 5 coups directs. Hein. J'ai sommeil, je vais dormir. Je n'ai pas encore récupéré. C'est-à-dire que on est un vieil là. Pour récupérer, quand tu sors maintenant, pour récupérer, il te faut au moins minimum 2-3 jours pour récupérer. Sinon, c'est pas bon. Donc là, je suis là. J'ai besoin de bien récupérer. Ouais, non. C'est comment, non? Vous allez bien quand même, j'espère. Ok. On partage alors un peu, on parle, non? Parce qu'après, je vais... Hey, maman, les appels de ça.
Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, hier on était le 1er avril. Donc, qui veut dire quoi? Poisson d'avril. Alors, je vous ai fait un poisson d'avril. J'ai constaté que ça a mordu et je suis contente parce que j'ai reçu tellement d'appels. Laisse tomber. Donc, je suis contente que ça a marché. Et maintenant, Pan Jansang, comme il est toujours derrière nos fesses, il est parti aussi faire pareil. Tu ne peux pas créer pour toi. Tu ne peux pas créer pour toi le père Sipa Boulodok. Tu ne peux pas créer ta part de buzz. Tu es toujours derrière nos lasses. Dès que nous on fait quelque chose, on crée un truc, tu cours vite, tu peux aussi faire pareil. Donc, j'ai mis que j'ai fait, je suis à l'hôpital, tu as couru aussi, tu es parti aussi mettre que. Toi aussi, tu as fait, ou c'est l'accident, c'est quoi? Après, tu vas dire que tu n'es pas un suiveur. Tu n'es pas un moutonnier. Alors que tu es un suiveur. Vous dormez sur nos pages. Dès que j'ai posté là que, me voici déjà que ça ne va pas. Il est parti faire pareil. Le grand-père là, mon oncle là. Parti faire pareil. Coucou Michel, ma milliardaire, mon bébé d'amour. En tout cas, moi, c'était un poisson d'avril. Hein. Donc, on m'a pris hier. J'ai dit que bon, moi aussi, je vais aussi vous prendre. Et j'ai dit à ma fille qu'elle tentait pas de parler. Elle a pris Nicole jusqu'à Wesh. Ça a pris Nicole propre. Nicole pleurait, a crié, sa mère est malade. Oh, oh Nicole, oh. Nicole a pleuré jusqu'à. Je lui ai dit que non, calme-toi, il n'y a rien, t'inquiète. N'aie pas peur, c'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien. Tout s'est bien passé. La soirée était nickel. La soirée était belle. Quand j'entends les gens raconter. En tout cas, je ferai un direct. Hein. Je veux programmer un direct. Je veux parler de ça. Ça, c'était le petit direct que je fais là. C'était juste pour pas que vous continuez à vous inquiéter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiétaient. Beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de m'appeler depuis le matin là. Depuis hier même. Et du coup, moi, ça me. Je voulais un peu me reposer. Donc, quand on appelle comme ça, ça me déconcentre. Il y a beaucoup de personnes qui étaient très inquiets, qui avaient peur, qui disaient que. Ouais. Et maintenant, alors, les gens d'en face qui disaient que bien fait pour toi, c'est bien fait pour vous, Mbap. C'est bien fait pour vous. Et moi, j'ai fini de Njoka. J'ai Njoka bien même. Ma bosse nous a mis bien en haut, comme il faut. C'est-à-dire, je suis rentré, j'étais bien fatigué. Maman, j'ai ramené le poisson fumé. Oui, on m'a gâté avec le poisson fumé. Maman, le brochet. Et ce n'est pas les petits poissons, hein, les gros poissons. Si je vous montre ça, j'ai pas envie de me lever. Je vous jure. Je vous jure. Je ne sais pas si elle vend ça. Si elle vend ça, au nom où ils sont commandés là-bas. Vous voyez le poisson. C'est bien gros. Un seul poisson te remplit la marmite. Elle m'a gâté, je vous jure. Beaucoup. Elle a mis la queue de bœuf dedans. Elle a fait les misunga. Elle est incroyable dans les misunga. Amé, pour vous dire quelque chose. J'ai mangé les misunga. Elle est forte. Non, elle touche. Elle touche. Elle n'a pas seulement amené ça. Elle a aussi amené le poisson fumé là. Elle m'a fait les misunga qu'elle a préparés. Oh, vraiment. Que le Seigneur te bénisse encore, vraiment. Quand on dit que les TK, ce n'est que les dames responsables. Les femmes. T'as dit, j'ai des petites soeurs et des grandes soeurs là qui sont vraiment la classe. Ce n'est pas le Jacques, le Bouhaha. Ouais, le Jacques, elle vient. Elle est venue pour un but précis. Je viens chercher mes compléments alimentaires et je m'en vais. Je ne suis pas là pour rester pour taper les commentaires. Hey! On peut être fier comme ça, maman. Les femmes, les femmes de la TKC, elles sont fières, hein? Elles sont comme leur mère, si, moi-même. Très fière. Droite sur mes bottes. T'as dit, droite sur mes bretelles comme j'ai mis là. Ah non.
La fierté là, non? Elle t'est cassée. Mes enfants, dormez en sachant que votre mère a ce qu'on appelle la fierté. Oui, je suis fière de moi. Et je ne, des gens qui disent que j'ai tapé poteau là, je ne tape jamais poteau. Vous me montrez où j'ai tapé poteau, je me déconnecte des réseaux sociaux. Moi, taper poteau quelque part. Et Azamboama, je ferai un direct. Je vais faire un direct pour parler de ça. Là, le direct que j'ai lancé, là, c'est pour dire à mes gens de ne pas s'inquiéter. Je suis pas malade. C'était un poisson d'avril que je vous ai fait, en fait. Ça, c'est une vidéo. La photo, là, c'est quand j'étais malade. Vous vous rappelez? Quand j'étais malade, j'ai d'abord mis une vidéo. J'ai d'abord mis la vidéo où je suis à l'hôpital le deuxième jour de mon opération. J'ai d'abord mis ça. Après, j'ai vite enlevé. J'ai dit que, hey, ils vont savoir avec mes lunettes. Comme maintenant, ils ne me voient pas porter les lunettes. Là, ils vont dire que c'est louche. Bon, dans les commentaires, il y a certaines personnes qui disaient que c'est le poisson d'avril ou c'est vraiment que tu es malade. Bon. Mais j'ai vu quand même les personnes qui m'aiment. Donc, merci de vos messages de soutien. Non, je ne suis pas malade. C'était juste un poisson d'avril que je vous ai fait. Et j'ai constaté que le vieux père là, le vieux père Pablo, le doc des FAO, est aussi parti faire pareil. Il a montré sa barbe blanche là. Comme sa patronne a posté qu'elle était couchée à l'hôpital, lui aussi il est parti poster pour lui. Toujours pour imiter. Toujours pour copier ce que les gens font. Crée pour toi, non, mon frère. Faut créer pour toi. Faut créer pour toi. Qu'est-ce que c'est à copier tout ce que les gens font? Sans que tu ne dors pas, tu dors sur nos murs. Dès que j'ai posté, tu peux aussi poster. Je suis qui me banne. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Ma belle sœur Shiga, tu as été boycotté, hein? On le sait que tu as été boycotté. Et les personnes sont venues se dévoiler. Ils ont avoué que ça a été un boycott. Vous savez, c'est pour ça qu'ils disent souvent que les gens viennent souvent parler les choses. Vous ne savez pas que c'est toujours ça qui vous punissent. Vous venez parler des choses, c'est ça même qui vous rattrape. J'ai vu Antoine Bachoua couper les parties où la petite sœur dit carrément que on a été boycotté. Et je tiens à vous rappeler que nous n'avons pas tapé poteau. La salle était vraiment pleine. Et j'insiste, j'aimerais bien faire un direct. Peut-être demain, aujourd'hui, je me sens pas, je ne suis pas en forme. Ou alors ma boss, je peux donner cet honneur à ma boss de faire un live avec les femmes de l'association, les femmes venues d'ailleurs, qu'elles viennent parler. Parce que là, on les a sabotées. Hein. Ça, c'est le sabotage. Elles ont été sabotées. Parce que si on dit que leur association a tapé poteau, alors que nous, on sait que ça n'a pas tapé poteau, et que ma boss, et c'était sa soirée, non, ma boss aussi était invitée. Non, elle n'était pas, elle ne faisait pas partie de cette association. Elle ne faisait pas partie de l'organisation, déjà, non. Et j'ai entendu aussi dire que les gens ont fait la promotion de cette soirée. Non, je suis désolé. Il n'y a que la TKC qui a fait la promotion de cette soirée-là. Et ce n'était pas que des TKC qui étaient là-bas. Ces femmes-là font des soirées, c'est leur 11e édition. Édition. C'est leur 11e, pas 10e, 11e. Et elles ont l'habitude. Elles n'avaient même pas besoin de nous. C'est nous, on a seulement, comme elles ont demandé à Amélie un coup de main, Amélie a juste voulu nous faire plaisir. Comme on venait pour sa vente privée, et elle a voulu nous faire plaisir. Mais ce n'est, on ne peut pas dire que c'est nous qui avons vraiment rempli même cette salle en tant que telle. Ils ont déjà leur monde à la base là-bas. Et ce monde qui était là-bas, c'était le monde, leur monde. Et la salle n'était même pas à Nantes même, puisque nous, on a roulé longtemps. La salle n'était même pas dans Nantes même. Je pense que c'était une banlieue. Mais même comme ça, c'était plein.
C'était plein. Vous filmez les endroits où, quand on entre, les gens ne sont pas encore là. Parce que quand moi j'entrais, je n'ai pas vu de cameraman, je n'ai pas vu de photographe, sauf peut-être les personnes qui étaient sur le podium en haut là-bas, peut-être qui ont fait une vidéo. Parce que quand ils sont entrés, la salle n'était pas encore pleine. Hein. Quand nous sommes arrivés, la salle n'était pas encore pleine. Puisqu'on nous a fait les photos à l'entrée là-bas, à l'intérieur, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de photographe comme je vois souvent GPS faire là. Que on vous fait les photos, on vous fait les vidéos à l'entrée. Non, GPS, tu restes le meilleur, vraiment. Osh. Il n'y a pas un photographe qui faisait une vidéo quand tu as dit, vous voyez qu'on entre, non? On fait les vidéos là, il n'y avait pas, hein? Il n'y avait pas. C'est pour ça que j'ai regretté, Amin Kamé aurait dû entrer avant nous pour filmer notre entrée. Parce que moi je suis entré la première. Eux ils sont entrés après, ils m'ont fait honneur en fait. Ils m'ont fait honneur, ils ont dit que c'est moi la guest star, donc c'est moi qui dois entrer avant tout le monde. Donc ils m'ont laissé entrer. Donc moi je suis entré avant, on m'a annoncé. Une belle annonce même. Hein. L'impresario était au top. Hein. Une belle annonce. Mon entrée n'a pas été filmée. Ça n'a pas été filmé mon entrée. Donc la salle n'était même pas dans Nantes même. C'était, c'était un peu retiré. Mais les gens ont répondu présents. Les photos, nous avons fait les photos avec les personnes qui voulaient faire les photos avec nous, qui étaient sympas. Il n'y a pas eu d'incident là-bas. Au contraire, tout le monde venait seulement Amin Kamé qui nous faisait rire. Nyandom, tu es en sécurité ici, Nyandom, ici là, tu es bien. Nyandom, tout le monde était content en fait. Ils étaient très contents. Tout le monde venait, les gens qui voulaient faire les photos avec nous. Non, c'était bien. Je suis allé faire pipi, personne ne m'a même toisé. Non, c'était bien. J'ai des amis là-bas à Nantes, ils peuvent vous dire, la salle, c'était bien. Les femmes l'ont réussi leur soirée. Hein. Elles peuvent être fières d'eux, hein, qu'on ne vous mente pas. Hein. Elles ont réussi leur soirée. Et moi, j'ai même fait le congossa de ma boss. En fait, ma boss, elle dansait comme ça parce que elle a fait son chiffre d'affaires. Vous savez que quand tu es contente, quand tu sais que tu as fait ton chiffre d'affaires, tu danses en sachant que non, mes poches sont pleines. Donc ma boss était là comme ça, elle était fière et contente qu'elle a fait son chiffre d'affaires. Je vous dis que son chiffre d'affaires, elle a tapé l'hôtel Napoléon alors qu'il y avait le monde à l'hôtel Napoléon. Donc heureusement qu'elle a fait la vente aussi en ligne. Le site a buggé, ça a explosé que ça a buggé. Ça a explosé la vente. Rien que pour ça, là, je suis très contente. Oui. Il n'y a pas une table. Il y a un monsieur même. Il faut quand même nous mettre les vidéos là, non, dis donc. Parce que quand l'impresario parlait, eux-mêmes, ils ont dit que Amélie, là, que les femmes venues d'ailleurs, là, elles sont là, elles ont pointé parce que toutes les tables étaient pleines. Toutes les tables. Franchement, il n'y a pas une table qui a tapé pour tout. Tout le monde était yes. Et toutes les filles étaient belles. C'était trop bien. Franchement, un grand chapeau comme ça aux femmes venues d'ailleurs. Et maintenant, la TK, c'est, on a maintenant la soirée du 27 juillet qu'on doit commencer la promotion. D'accord? On doit commencer notre promotion aussi. Maintenant, l'autre soirée est passée. On attaque l'autre soirée. Donc moi, je ferai déjà un post aussi avec les flyers. Et s'il vous plaît, continuez à faire la promotion maintenant de la soirée de juillet. En sachant que j'ai dit, comme on montre... Quand le mouvement commençait, comme on montre la salle qui était vide, je me déconnectais des réseaux sociaux. Voilà un défi que je vous lance encore. On me montre la salle qui était qu'on a tapé poteau.
je me déconnecte. Donc, je ferai un direct. Je vais faire un direct peut-être demain. Parce qu'il faut que je remette les pendules à l'heure. Il y a des choses que moi, je ne tolère pas. Donc, je ferai un direct demain pour ça, pour parler de tout ça. Là, le direct, c'était pour rassurer les personnes qui m'aiment et que j'aime aussi. Leur dit que on est le 2 avril. C'était le poisson avril que je faisais. Je suis pas malade. Je suis très en forme. Juste fatigué. Et là, je sommeille parce que j'ai pris mes médicaments là-dedans. Et la fatigue aussi. Hein. Je suis fatigué, pour dire la vérité. Je n'ai plus l'âge que je partais faire les fêtes. Ma fille, tu ris. Donc, tu savais que c'était le poisson d'avril. Tu m'as appelé hier, vu comment tu m'as appelé jusqu'à dire que je ne vous prends, papa. Et si je vous prends, vous avez commencé que, ouais, maman, peu. Ouais, je vous ai vu pleurer là-bas sur le poste. On est en avril, non? C'est le poisson d'avril. On est le 2 avril. On est le 2 avril. Je ne suis pas malade, pardon. C'est le poisson d'avril. Maintenant, il ne sera pas des favoris aussi, est parti m'imiter. Copieur comme ça là. Tu peux pas créer pour toi. Avec la tête comme l'on carte machine. Tu ne peux pas créer pour lui. Celui-là qu'on a descendu, on l'a rendu plus bas que t'es. Mon Dieu. Celui qui a traité. Eh, maman, les gens. Quand il dit que les gens, il y a les gens ici qui n'ont pas de valeur. Pas de favoris, parti chez Mastico. Maman, quelle honte. Quelle bassesse. Sa femme avait juré, c'est quand je les avais amenés chez Ngombongo, Indi, faire le ndoro là-bas, là, ils ont dit que plus jamais ils vont aller dans la maison de quelqu'un. C'est comme ça qu'on vous connaît. Votre réputation, c'est le ndok. Vous êtes le ndok. Vous êtes le ndok. J'ai appris que ta femme dit que maintenant, elle vend aussi. Elle est là. J'ai appris que elle se vend derrière la nourriture dans les maisons. Hein. Elle dresse. Il dresse. Elle va venir vous dresser dans vos maisons là-bas. Et puis que la femme de Père de Fawo a dit qu'elle aussi elle va être. Elle va aussi maintenant vendre la nourriture. Elle va être traiteur maintenant. Mais elle va faire une formation pour être traiteur. Donc tu peux maintenant être traiteur. Jusqu'à tu arrives, tu dresses. Tu dresses qui les couples? Ou tu dresses les gars? Ouais! La femme du banquier. La femme du banquier. Oh wow! La femme du banquier va être dresseuse maintenant. On dresse. Ouais! Maman, je t'aime mougoué. Vraiment, c'est mauvais. Hein? C'est mauvais quand tu es comme moi là, vraiment. Les gens là m'avaient mis dans la bouteille, ils m'ont menti. Moi aussi, je suis sorti, je suis venu. Oh, c'est un banquier, il travaille à la banque. Il m'a appelé un jour, il était dans une société là. Et donc le père n'était pas un banquier. Et Maléba, Maléba, Mouguzan, Mougu plus plus. Maintenant, la femme du banquier dit qu'elle veut être. Elle veut maintenant dresser. Elle ne sait pas préparer. Moi, je vous dis d'ailleurs d'abord, elle ne connaît pas préparer. Ne voyez pas les choses que vous montrez. Elle ne connaît pas préparer. J'ai mangé là-bas, c'était fade. La seule chose que j'ai mangé, c'était le nougaloba parce qu'il y avait le piment dedans. Elle a mis en plus la tomate. Elle ne connaît pas préparer. Je vous dis ça déjà d'abord. Elle ne connaît pas préparer. Elle ne connaît pas préparer. C'était pas bon. Elle ne sait pas préparer. Donc, allez vous préparer les pètes-pètes là-bas, vous allez voir. On connaît le traiteur ici sur la toile. C'est Mme Sunga qui est traiteur. C'est elle qui fait le traiteur. Elle a fait. Elle a fait une formation pour ça. C'est elle que l'on connaît, qui est traiteur. La femme de Fao ne connaît pas préparer. Oh.
Moi, je vous dis, la femme de Defao ne connaît pas préparer. Voilà ce que moi, je vous dis alors. Tant pis pour la personne qui va la prendre. Elle ne connaît pas préparer. Mais elle connaît dresser la table. Ça, j'accepte. Quand c'est vrai, je dis que c'est vrai. Elle connaît dresser la table quand même. Mais préparer, là, elle ne connaît pas préparer. Elle a braisé un poisson là-bas, c'était pas bon. La femme de Defao ne connaît pas préparer. Ouais! Beno! C'est pour ça qu'il part à la maison, les gens bouffent le ndong. On est parti les servir les asticots là-bas. Ouais! Je protégeais le type là quand il était avec lui. Hein. Je protégeais le type là. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle allait monter dans les asticots là. Non, vous l'avez rendu ce monsieur là moins que rien. Oh, et ça me fait mal. Non, pour dire la vérité, ça me choque. Je suis choqué. Je suis choqué. Sa femme était où? Bon, c'est vrai que sa femme est cool là, lui, elle est une tuée. Vous savez que vous n'avez pas vu comment l'autre était habillé. Il manquait le fouet pour fouetter les fesses de pas des Defao. Il manquait le fouet en binda pour fouetter les fesses de pas des parce qu'il aime quand le fouette. Sa femme m'avait dit ça. Sa femme m'avait dit que tu vois ton frère là comme s'il est costaud comme ça là. Dit Angou Ingra, même bébé, ma cante. Elle m'a dit que son mari aime quand elle donne les fessées sur les fesses. Il aime ça. Si elle manque, il va monter ses fesses, je me déconnecte. Il a les traces de fouet sur ses fesses. Que Marie la régie fouette. Donc c'est pour ça que Mbinda a porté la robe. C'était quoi le par-dessus? Ouais! C'était quoi le par-dessus? C'était le par-dessus, c'est quoi? Elle a voulu monter alors à l'autre que. Comme moi j'ai la voix de crapaud là. C'est moi le mal, hein? C'est moi qui Mbinda, ce n'est pas toi qui m'Mbinda. Donc, elle a fait l'erreur, il lui fallait un fouet. Vous savez, un fouet. Parce que vous savez que c'est un couple qui aime les échanges. Ils aiment, comment on appelle ça, les clubs échangistes là. Voilà, ils aiment ça. Ils aiment échanger, non? Voilà, ils sont un couple que. C'est pour ça qu'ils ont le problème avec comment on appelle encore? C'est pour ça qu'ils ont le problème avec le président des Beaux-Ailleurs. Parce que ils sont partis en Espagne là-bas, là. Ils sont partis dans un truc échangiste. Les deux couples. Maintenant, alors, Pa Defao est fâché maintenant parce que. Au moment que lui aussi voulait Mbinda, la femme du président des Beaux-Ailleurs, elle a dit qu'elle avait un malaise. Elle n'a pas accepté. Alors que le président des Beaux-Ailleurs a tout mal la femme de Pa Defao. Donc il a le mal là. Parce que là-bas, là, tout le monde se touma, non? Ils doivent se touma tous. Maintenant, alors, Pa Defao, comment on appelle? Il était d'abord concentré à Touma Lengawat là-bas. Là. Il y avait Lengawat. C'était un couple. Ils étaient quatre. J'ai dit ce que lui-même m'a raconté. Moi, il ne manque jamais. Et quand moi, je viens parler, c'est ce qu'il m'a dit. Qu'ils sont partis dans un club échangiste en Espagne là-bas. Ils étaient quatre. Donc, le couple du président des Beaux-Ailleurs et Panjansan. Maintenant, Panjansan était concentré à Touma Lengawat. Entre-temps, sa femme ne faisait que. L'autre ne faisait que Touma. Pendant qu'il était. Comment il s'appelle? Le président des Beaux-Ailleurs était entre Touma, sa femme. Et la femme du président des Beaux-Ailleurs était les seins de. Était les seins de pa, la femme de Pa Defao. Donc, il a le mal parce que lui n'a pas pu Touma. La femme du président des Beaux-Ailleurs, alors que le président des Beaux-Ailleurs, lui, était pressé de tout voir la femme. Ouais! On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, vous comprenez donc d'où vient la haine là et la honte. En fait, ils ont un peu honte. Parce que, non, Pa Defao, tu es tombé très bas. Les filles, elles ont réussi à t'humilier. Oh.
Elles ont vraiment réussi à t'humilier. Elles t'ont vraiment humilié là. Ça c'est l'humiliation. Ça, c'est l'humiliation. Je ne manque pas à ce que je vous dis là. Ils sont partis dans un club échangiste en Espagne. Ils étaient le président de Bozaya et sa femme, pas de Fao et sa femme. Et là-bas dedans, c'est l'échange. Donc ça s'échange. Le couple du président de Bozaya ont versé leur rage sur la femme de pas de Fao. Parce qu'ils l'ont tout mal à deux. La femme du président de Bozaya a têté bien les seins pendant que son gars était en train de tout mal. La femme de Pas de Fao. Pas de Fao, lui, était de l'autre côté là-bas en train de tout mal avec l'Engawat. Il a oublié que il devait aussi prendre. Parce que normalement, ce qu'il devait faire, même. Il devait d'abord tout mal. Ne voyez pas le président de Bozaya comme ça. Il paraît qu'il est dangereux alors. Il a donné les coups secs. C'est un bêtis, non, mon frère. Vous avez vu un bêtis qui n'est pas fort aux fesses. Il a atomisé. Il a atomisé. Maintenant, alors, quand lui aussi vient maintenant, il n'a plus de force. Il a seulement commencé à toucher les fesses de la femme du président et Bozaya. Il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus rien faire. Il était fatigué. Par contre, le président de Bozaya a été très intelligent. Dès qu'ils sont seulement entrés, il a d'abord récupéré la femme de part de Fao. Que vient ici d'abord, te donne un truc. Tu sais qu'elle, elle supporte les coups. Elle supporte les coups. Elle, c'est le cocotier. Comme on grimpe toujours dans son cocotier là. Donc, le président de Bozaya a dit que non, couche-toi d'abord, maman, et te donne d'abord ma part de cocotier ici là. Et avant que maintenant la fatigue ne me prenne que je rate l'occasion là. Il a d'abord donné les coups secs. Pendant qu'il dosait ça, Tanga était en train de téter les seins. Donc là, ils sont là. La personne qui gagne là, qui domine là, c'est le président Bozaya. Parce que le président Bozaya, tout le monde Sanga. Donc, la haine qu'il a là, c'est parce qu'il n'a pas eu de revanche. Il n'a pas eu de revanche. Donc, vous comprenez donc. La haine là, non? La dresseuse. Maintenant, l'autre, elle est venue. Je suis sûr que, après ça, parce que quand ils partent souvent là, c'est sûr qu'après ça, les choses qui se sont passées. Peut-être qu'il y avait le foie dans la voiture, parce que, tu avais vu comment que l'Angala s'est habillée, comment, parce que l'autre a dit que mon mari aime. C'est un soumis, hein? Le monsieur que vous voyez, c'est un soumis. Quand j'entends comment les gens disent là que, oh, wow, il commandait sa femme. C'est un soumis, oh. Devant le public, il fait genre. C'est un homme soumis, oh. Il aime qu'on fouette ses fesses. Il aime ça. On le fouette. Atomise le fouet sur ses fesses, là. Mais Binda, tu as porté les tenues. Il aime ça quand tu t'habilles. Elle a mis les cuissades ou pas? Elle n'a pas mis les cuissades. Elle a mis les cuissades. Parce qu'il fallait qu'elle prenne le fouet pour fouetter le père là, pas Boulodoc. Pas poster qu'elle soit à l'hôpital, lui aussi, pas mettre là-bas là. Ngenom. Mbap. Donc là, il est là, il a le mal. Le banquier, Mariba aussi vient sortir là-bas. Quand elle veut faire la talakou de quelqu'un, elle est vraiment. Ngrengatoi, hein. Oh, c'est un banquier. C'est ce qu'il m'avait dit, moi aussi, je suis venu vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'avait dit de dire qu'il y a les camarades, je suis venu vous dire. Moi, je suis tchè. Je reconnais que moi, je suis tchè, je ne mens pas. Moi, je suis moi tchè. Tout ce qu'il dit, c'est les choses que lui-même m'a dit. Il m'a dit que mes Kenny Bo, il club échangiste. Enfin, moi, ouais, mais me fait m'engouer, ouais. Donc, mais t'as même assez. Il m'avait dit ça. Moi, je ne mens pas. Quand il mange, je ris. Quand il parle que je suis sérieux comme ça, je ne mens pas. Vous avez comme Gombogo Indi, elle, vous croyez que cette fille-là peut me donner le poison? Pourquoi? Parce que j'ai dit la vérité, elle avait chopé le way de son Mouna. Vous voyez, non? Donc tout ça, elle ne pourra jamais me pardonner. Comme moi, non? Moi, par exemple, quelqu'un qui insulte mes entrailles, tu es mon ennemi à vie. Ça ne chauffe pas. Vous voyez un peu? Les injures à deux balles, Ngrenga, il est tué, ça, c'est rien du tout. Ça me laisse à 37 ans. D'accord? Mais il y a
des personnes que quand tu m'insultes, il y a des injures que moi, tu m'insultes comme ça. Bon, c'est le même problème que j'ai avec ma maraboula. Le fait que je suis venue l'insulter avec une pure vérité, elle ne pourra jamais m'aimer, en fait. Vous avez compris maintenant? Voilà. Donc, ce monsieur-là, c'est lui-même qui m'avait raconté. Il m'a dit qu'ils sont allés dans un club échangiste. Qui m'appelle? J'espère qu'il m'a appelé pour m'envoyer. Ouais. Allô? Allô? C'est lui qui m'avait dit. Moi, il ment pas. Il ment jamais. À tes cassés, je mens. Hier, je suis allé. Hier, je suis allé. Je suis allé boire un pot ici à Rouen. Et puis, on était en train de parler de les femmes et les femmes qui ont de la personnalité, les influenceuses qui ont de la personnalité sur la toile. Et moi, j'ai lancé un défi. J'ai dit qu'on me montre une qui a de la personnalité sur la toile. Je me déconnecte. On n'a pas pu trouver. Attendez 2 secondes. Nama poula tene yombo la lamboui. C'est le tende au douteya. Prenez le numéro 6. Faites la capture du numéro là. Prenez ça. Postez ça là-bas. Vous avez vu, non? Vous voyez bien là. Attendez, mets comme ça. Voilà. Prenez le numéro aussi. Vous voyez que c'est toujours les gens qui ont faim au pays là qui appellent les gens pour faire les... Faites la capture du numéro aussi. Allez faire la fête là-bas avec ça. Vous avez pris, non? C'est bon? Si c'est bon, dites OK. C'est bon? Vous avez pris? Vous avez pris, non? Prenez ça. Après, je vais aussi envoyer ça à mes enfants là-bas au pays. Là, ils vont s'occuper de ça. OK, super. Ah, super, mon bébé. Voilà, on continue notre direct. Wow, venez. Faites ce que vous voulez avec ça là-bas. Traitez-moi ça. C'est une jomba de pas de FAO qui est au pays qui m'appelle là. Elle dit que Nguenga pute. Elle dit que rayé. Elle dit que Nguenga pute. Nguenga stérile. Viens tuer mes enfants et m'baisser le carré. Mes enfants sont en bain. Tes enfants sont chouins. Bon, comme je vous disais tantôt, je ne mens jamais. C'est le père là lui-même qui m'avait raconté que ils sont partis. Pendant ça, atomisé. Je connais. Attends, je vais compter. Comme Pandjan Sang, en ce moment, les rangs là, ça ne donne plus bien, il n'est plus fort aux fesses. Quand il était jeune, par contre, il était fort aux fesses. Quand il habitait encore à Bâle, il était fort aux fesses. Depuis là, il n'est plus fort aux fesses. Donc, Pandjan Sang, maintenant, est obligé de partir à Sangha dans les clubs échangistes.
et qui lui a montré ça, le président des Beaux-Ailleurs. Ne riez pas, je vous dis la vérité. On l'a amené là-bas. Mais, je vais lui donner un conseil aujourd'hui, gars. Panjansan, de Fao. Quand tu go avec Tanga dans un club échangiste avec un combi, mieux atomise d'abord Sanga. Parce que là, il te mène. Il te mène 1-0. Et tu vas te venger quand alors? Parce que lui, il a tout ma Tanga. Lui, il a tout ma Tanga avec Sanga. Toi, tu n'as pas tout ma Sanga. C'est là que tu vas, tu vois, ce n'est pas bon. Quand c'est comme ça, vous arrivez là. Vous changez d'abord, Nga. Vous-même d'abord, la priorité d'abord à vous-même, non? Tu as couru pour le complexe, tu as dit que tu parlais de Touma Lengawat. Maintenant, le président Bozaya a dit que non, moi je suis venu ici pour goûter Tanga. Donc moi, il commence d'abord par Tanga avant de partir, maintenant continuer. Vous savez que les gars bêtis sont trop forts aux fesses. Vous savez que les gars bêtis sont trop forts aux fesses. Ne blaguez pas avec les gars bêtis. Les gars bêtis sont forts aux fesses. Bon, les gars, bah, ça, sont forts aux fesses, mais le problème, c'est que celui-là, il est frélaté, il est affini, il a trop tout quand il était jeune. Donc, tout a lâché. Il a la prostate, hein. Il a un début de prostate. Il a un début de prostate. Ah, voyez les étoiles, ça a déclenché. Ouais, venez, oh. Il a un début de prostate. Ouais, non. La prostate veut sa mort. Mais quand vous voyez, le président des Beaux-Ailleurs, là, d'abord, vous voyez quand il tournait les rangs, non? Méfiez-vous. Il a grimpé. Donc, tu vois qu'elle va encore te prendre. Tu es stupide. Hein? Elle appelle encore. Elle est sûre qu'elle va encore la prendre. Tu as appelé. J'ai fait ce qu'elle voulait avec. Regardez, elle appelle encore. Donc, moi, elle va encore te prendre. Je vais seulement te bloquer, c'est tout. Oh, c'est les balcons, ça y est. Donc, moi, elle va venir décrocher. Donc, elle voit comment il va encore. Appelez-la là-bas aussi, vous la lavez bien, même vous laissez les messages, vous la lavez propre. Donc elle voit que je suis trop stupide et bête, que je vais venir décrocher son appel encore. Comme j'ai d'abord décroché, j'ai écouté. Et alors les filles du... C'est sûr qu'elles vendent la tomate, mon avocat, tiens. Attends, je vais venir te faire les dons, maman. Après, je vais décrocher ton appel quand elle finit le direct. Tu me dis... Michel, la milliardaire, a envoyé beaucoup de choses. Elle te donne aussi ta part dedans. J'arrive au pays. N'oubliez pas, hein, le 5. Récolte de dons en live. N'oubliez pas. Ma fille, tu ris quoi? Qu'elle appelle, qu'elle dise que maman pépé, comme tu vois là, c'est chaud. Je vais m'appeler pour dire que qu'on prépute. C'est quoi ça? C'est, vous voyez quand il vous dit que les gens là, ils n'ont que les gros langages chez eux là. Yeah. Ils n'ont que les langages orduriers. Oh, cru là. Ouais, pas de Fao. Ta femme maintenant vient dire qu'elle dresse. Donc, elle est déjà traiteur. Elle est traiteur. J'espère qu'elle va faire une formation. Hein. C'est bien, non? C'est aussi un travail. Mais il faut qu'elle aille. Qu'elle le fasse bien, quoi. Mais elle ne sait pas préparer. Elle ne sait pas préparer. Moi, je vous dis, elle ne sait pas préparer. Vous savez que moi, il ne manque pas. Il vous a dit que Ngombongo, il dit, c'est préparé, mais elle ne laisse pas cuire sa nourriture. Mais elle connaît préparer, elle connaît briser le poisson. Oui. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il dit que c'est bien. Mais la femme de Defao ne connaît pas préparer. Elle ne connaît pas. Si il manque, Patricia vient dire ici qu'il manque. Elle a préparé, là-bas j'ai mangé, c'était pas bon. Je n'ai pas mangé avec appétit. Non, non, non. Elle ne sait pas préparer. Elle a fait la sauce tomate avec la queue de bœuf. Elle a dosé le piment dedans. Elle n'a pas mis ni l'oignon, ni l'ail. Même pas le persil, rien. Même pas le poireau ou poivron, rien. Elle a seulement mis la tomate. Si je mens, que Patricia Mel vient dire que je mens. Elle a fait, vous voyez la qualité, qu'elle a d'abord laissé la tomate. Elle a fait cuire la tomate seule pour que ce ne soit pas acide. Elle a fait cuire ça pendant longtemps. Maintenant, ça a cuit. Elle n'a pas mis dedans
pas d'oignons. Merci ma fille. Pas d'oignons. Elle a mis pas d'oignons, pas de d'ail, rien. Rien que le piment. Donc elle a mis la tomate et le piment, c'est tout. Et c'est ça qu'elle a dit que Nougaloba. Elle ne connaît pas préparer. Oh. Et c'est aimant. Elle ne connaît pas préparer. Ouais. Est-ce qu'elle dit ça parce que. Déjà avant, est-ce que j'avais déjà 21 jours, ça nous tue. Elle a fait la sole, c'était du. La sole qui est le poisson le plus tendre. Elle a fait la sole, c'était du. Même pas bien assaisonné. Elle a la qualité qu'elle met le truc au four sans assaisonner. Et elle assaisonne quand c'est déjà prêt. Ça a quel goût? Pour briser le poisson, tu assaisonnes et puis tu poses sur le feu. Ça, au fur et à mesure, tu mets les condiments. Elle disait que non, ça va coller. Elle lui dit que non, mais ça va pas coller. Elle ne connaît pas. Ah, elle ne connaît pas briser, elle ne connaît pas préparer du temps. Elle connaît seulement tout malenga. Je connais même quelqu'un ici là qui a tout mal. Ouais, le père là. Pourquoi vous rabaissez le type là comme ça là? Oh. C'est pas bien. Mon bébé, le poisson a vite appris. J'ai vu mon neveu pleurer hier. Hey, mon fils, tu m'aimes? Hein? Ouais, mon fils, ça m'a pleuré hier que sa tante est malade. Il a oublié qu'on est le 1er avril. Mon fils, on est le 1er avril. On est le 2 aujourd'hui. Donc, c'était le 1er avril. Ton grand-père est parti aussi, fait aussi le poisson d'avril, comme il a vu que sa star, la femme qu'il a fabriquée sur la toile, a fait un possible aussi parti faire. Mais pour lui, il ne tient même pas, dis donc. Ça ne tient pas. Il a chuté. Il a chuté. Le président de Bozaya, Touma Sanga, propre. Il faut toujours aller dans les clubs échangistes. Hein? Faut toujours aller. Tu vas entendre que toi aussi, tu étais dans le milieu des whites. Mbap. Donc voilà, je vous ai donc dit pourquoi est-ce qu'il a la rage envers le président de Bozaya, là, comme ça, qu'ils ne pourront jamais s'entendre dans la vie. Il avait le président de Bozaya comme il savait Ngombongo Indi. Ngombongo Indi et moi, hein? C'est le feu et l'eau. Iran, Irak, pour de vrai. Iran, Irak, elle et moi. Donc c'est comme ça que le président des Beaux-Ailleurs et pas Sirage sont. Si vous les voyez se réconcilier, c'est que pas Sirage a dit au président des Beaux-Ailleurs que non, tu me mènes. Il faut que moi aussi, je légalise. Je prenne aussi mon point. Il a été trop stupide. Il était trop fier de lui. Il croyait que ces rangs-là pouvaient encore tenir. Non. Il t'a tapé la lâcheté. Accepte. Et tu bois ton doliprane, tu dors. C'est tout. Accepte que le président des Beaux-Ailleurs t'a fait ça dur. Merde. Mais les gars, vous êtes quand même courageux. Hein. Merde. Marie, la régie, elle est là pendant que le président de Bozaya est en train de lui donner les. Ce n'était pas deux coups, hein. Là, ce n'était pas deux coups. C'était plus de quatre coups. Entre temps. Toi aussi, cro-cro, toi, tu viens de commencer à sucer les tétons de la femme de quelqu'un, comment? Tu commences à sucer ses tétons jusqu'à elle crie. Tu suces ses tétons, pourquoi? Hein? Tu viens téter ses seins. Elle est venue téter ses seins, là. Ouais. On peut faire ça. Pas Sirage aussi. Tu vois, on est en train de tout matanga. Viens me donner les fessées comme c'est toi qui aimes quand tu donnes les fessées. Il fallait que tu me donnes la fessée au président de Bozaya que mouf qui tu m'engages. Mon frère, le gars est gros, grimpe sur le cocotier. C'est quand il vous dit la vérité. Hein? Il ne manque pas, il vous dit. Hey. Je vous dis que quand ils étaient partis en Espagne, là, ils sont partis en un club échangiste. Le président de Bozaya a tout ma langa de pas Sirage. Pas Sirage n'a pas tout ma langa de l'autre. Est-ce qu'il vous manque? Moi, il ne manque pas. Moi, il ne manque jamais, je ne manque pas.
Et ce n'est pas qu'on m'a dit, ce sont eux-mêmes qui m'ont dit. C'est sa femme qui m'avait raconté ça. C'est sa femme. Et sa femme dit que la femme du président de Bozaïeux, apparemment, elle tête bien. Elle tête bien les seins. Par contre, elle a tout mal, la femme du président de Bozaïeux. Par contre. Sauf que c'est son mari qui n'a pas tout mal. Mais elle, elle a tout mal, l'engagement du président de Bozaïeux. Mm-hmm. Elle a tout mal. Parce que je lui ai dit que comment, même toi tu n'as pas tout mal, elle me dit que non. Mais bon, il y a une de Guillaume. Allez, chaîne. Moi, je ne manque pas, je dis la vérité. C'est ça. Amélie a échappé. Hein? Ma bourse a échappé. Hein? On pouvait te mettre même des trucs là-bas. Heureusement que tu avais plutôt pris ton hôtel. Hein? Ouais. Heureusement que tu avais pris ton hôtel. Au nom de Dieu. Ouais, un homme qui fait 3 heures de temps dans les toilettes, mon frère. Heureusement que ma bosse avait, elle, pris son hôtel. C'est que, mon frère, on allait te mettre un truc dans le verre. Ils allaient te traiter là-bas. Heureusement, tu as fui. Quand on dit qu'une grande dame reste une grande dame. C'est moi, les tchèques comme ça, là. Moi, je suis parti dormir là-bas. On m'a donné, on nous a donné une chambre, quoi là, quoi là. Maman, j'ai vu, j'ai fait le Congo, ça, maman. Les chaussures, elles ne mettent que la contrefaçon. Elles ne mettent que la contrefaçon. Parce que la chambre où moi j'avais dormi là, et ces chaussures qui étaient rangées là-bas, là, rien que la chinoiserie. Rien que la chinoiserie. Comme je vous dis là. Et comme je lui avais donné le site là, non, de. Le site de tous les Chinois là, non, on vend les habits là. Hein? C'est là-bas maintenant qu'elle peut acheter et les lunettes. Oh. C'est là-bas qu'elle achète. Tu vas casser ton pied hein, quand tu vas porter les lunettes. Il faut acheter les vraies lunettes. Hein. Il faut acheter les vraies lunettes. Les lunettes sont pas chères. Avec 200 euros, tu as une belle paire de lunettes, hein, de marque. Hein. Parce que quand tu vas porter les trucs des Chinois, là, ça fait comme si tu voyais 50. Tu vas rater la marche avec ça. Tu as compris, non? Il ne faut plus porter ça. Maman, toutes les chaussures, ce n'était que la chinoiserie, chinoiserie. Pourquoi, tu vois, quand ils disent que moi, ils n'ont pas souvent les mauvaises intentions. Hein. J'allais filmer tout ça. Elle a les talons là-bas, là. Les loulous, contrefaçon. Elle n'a que la contrefaçon. La seule chaussure qui était bien là-bas, c'est la chaussure qu'elle a beau faire. Parce que c'est un nonné, mais italien, quand même, le bon, la bonne qualité. Erika, ce n'était que la chinoiserie. La femme aime la chinoiserie. Hein. C'est pour ça qu'elle est là, que quand elle avait les mamounes là, tu entends seulement que. Et quand tu achètes pour toi comme ça, tu peux penser à acheter pour moi. Quand tu achètes pour toi comme ça, tu peux penser à acheter pour moi. Toujours en train de demander. Commandeuse, va. Hein? Commandeuse. Quand tu achètes pour toi comme ça, là, tu peux penser à acheter pour moi. Et comme il y a certaines femmes qui sont. Ça leur fait bizarre. Elle est obligée de dire que la prochaine fois. Il y a une là qui passe son temps. Il va manger toujours de bitacola. Il y a une là qui est à Toulouse là-bas, là. Elle, alors quand elle sait qu'il est là, elle court. Elle, son rôle qu'on lui a donné à elle, c'est d'amener les bitacolas. Maman, elle amène souvent les sacs de bitacolas pour donner au père là. Peut-être si le père avait marre ça le jour qu'ils sont partis à le club échangiste là, il allait quand même un peu essayer de toucher la femme de président des Beaux-Ayères. Hein. Le gars chope le bitacola jusqu'à ce n'est plus bien. Non, mais le président de Bozaïeux, là, il n'est pas bien, il n'est pas sérieux. Moi, tu peux tout mal en autrui. Mais ce n'est pas de ta faute, quand même. Ce n'est pas de ta faute parce que Tanga était là. Mais sauf que il a dit qu'il voulait repartir tout mal. Il croyait qu'il pouvait faire encore. Comme il fait 2 coups, là, il croyait qu'il pouvait faire 3 coups. Et Adjobasson, le gars a dit que. Hein, Abi Fengwa Wem. Il a dit à Mbassak, Abi Fengwa Wem. Hein? Mais là, mais bon, Huawei, enfin, Huawei. Ah! Il n'était pas content. Il a dit à Mbassa que sa femme avait même fait ma femme. Lui aussi, il a fait ma femme. Moi, il n'est pas fait. Il a seulement tapé les fesses. C'est vous savez qu'il aime toucher les fesses, non? Il a seulement tapé la fesse de la femme de président de Bozaïeux comme ça que, tac. Mais il ne pouvait plus rien faire. Mais eux, ils avaient à finir avec sa femme. Marie, couche-toi.
Et à ce moment, à court, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais Jean, je ferai un direct bien poli, posé, peut-être demain. Peut-être, si j'ai la forme, parce que je me sens trop fatiguée. Et n'oubliez pas que le 5, nous avons une récolte de dons en live. On doit aller en mai au pays. D'accord? J'ai l'allergie là, ici, là, comme ça. J'ai les boutons qui me sortent là. Les produits qu'on met dans la perruque là, je suis allergique à ça. Je vais laver les perruques là. Ça m'a fait l'allergie ici, sur mon front. Donc, je ferai un live. Voilà mon diamant. Il paraît qu'on a. Il y a une fille là qui a parlé. En tout cas, je t'appelle. Il faut que tu me coupes cet endroit-là. Je vais me servir de ça pour faire quelque chose. Je t'appelle après le live tout de suite là. Il faut que tu m'enregistres l'endroit-là. D'abord, toi et moi, on a les causeries là tout de suite. Donc, dès que je coupe là seulement, il faut qu'on cause, qu'on ait une conversation de quelques minutes là. Je n'ai pas vu mon fils Christian de Monaco qui me dise comment j'étais habillée. Maman, il me manquait seulement la pipe et la canne. Samedi, c'est le 7, non? Je suis invité à l'anniversaire de mon frère à Paris. Maintenant, il faut me dire que la TK, c'est vous m'avez habillé pour la soirée. Il faut que vous cherchiez maintenant pour la soirée de juin. Moi, maintenant, mon nouveau style, mon nouveau look, maintenant, c'est les pantalons. Moi, je suis plus à l'aise dans les pantalons hein, que les robes. Hein. Je me sens rassuré avec les pantalons. Je suis plus sûr de moi parce que j'ai les formes vraiment pour les pantalons. Les robes me vont, mais je suis plus à l'aise avec les pantalons. Franchement, quand je vais être vraiment genre, moi c'est les pantalons. Pantalons, chemise, j'adore. Quand je mets un beau jean là, j'enfile un beau une belle chemise, je plie les manches à l'anglaise là, ou à l'américaine, c'est trop beau. Moi, j'aime bien. C'est comme ça que j'ai toujours aimé m'habiller. Donc, il faut que j'aille voir Viviane là, ma soeur, qu'elle m'accompagne chercher les ensembles pantalons là. Donc, c'est comme ça que je m'habille pantalon. Bon, mes gens, comme je disais tantôt, c'était le poisson d'avril. Hein. On dit à tout à l'heure. D'accord? Le numéro que vous avez capturé là, lavez-moi la fille là. Je m'en aussi donné ça à ma belle-sœur là-bas au pays. Et à ma nièce, ils vont l'appeler là, laver propre. Bisous, non? Bye bye.